Les meilleures chambres. Avez-vous une bonne écurie? Oui, monsieur. Bon, ça va. Oui, double ration d'avoine. Hein. Et le mérite. Passez-moi le pupitre. Merveilleusement placé, situé en plein soleil. Hans, donnez-moi le pupitre amusé. On va encore m'abîmer. Voilà. Ah, merci. Voyez, c'est lui là-bas. L'homme qui porte le pupitre? Oui. Il est boiteux. Je ne crois pas. Il n'est pas boiteux, il n'a pas l'air très solide sur ses jambes. À quelle heure doit-il venir au rapport? À 11h, monsieur le président. Dans 10 minutes? Mmh. Espérons que d'ici là, il va avoir retrouvé son équilibre.
On sort d'ici. Celui qui n'arrive pas à l'heure est puni, tu le sais. Tu sais qu'on déjeune à midi juste. Allez, va dans le couloir. On n'aura pas de coucher. Mais père ! Sors d'ici. Et enlève ce chapeau ridicule. Dieu bénisse ce repas. Marie ! Oui. Oh, chapeau, mon manteau. Vite, vite, vite. Hein? Merci. À quelle heure Albert viendra-t-il ce soir? À 8 heures, père. Bien. Tu monteras une bonne bouteille de la cave. Voilà. D'ailleurs, je serai rentré à 6 heures. Viens, père. Viens. J'ai salé toute ma robe. Regarde-moi ça. Il va falloir que je la lave et que je la repasse. Non, non, non. Oh, non. Oh, oh là là. C'est pas de ma faute, c'est le garçon boulanger. Il voulait me prendre mon chapeau, alors on s'est battu, puis le paquet est tombé. Oui, oui, te prends ton chapeau. N'est-ce pas plutôt toi qui donnes le gâchis plus au garçon boulanger? Mm-hmm. Et encore, tu salis la robe de ta grande sœur. Pas gentil ce que tu fais. Tiens. Bon, Charlotte, tu es gentille, viens que je t'embrasse. Allez, mange vite. Si papa revenait, c'est moi qui me ferais attraper. Mange et puis marche bien quand même. Mm. Tu sais. Tu sais, Charlotte. Y'a poum. C'est pas moi qui l'ai chipé. C'est un monsieur dans la voiture qui me l'a donné. Un monsieur? Il était très gentil. Il a joué avec moi. Et puis, boum, le chapeau sur la tête. Boum sur la sienne. Boum sur la mienne. Oh, mais... Après, il m'a dit, garde-le, il te va bien. Mais ça, c'est un original, au moins. Je ne sais pas. Il avait de hautes bottes jaunes, un bel habit. Mais je crois plutôt que c'est un homme très riche qu'un ogire, comme tu disais. Oui, comme je disais. En tout cas, s'il est devenu riche, c'est qu'il est toujours arrivé à l'heure. Voilà, monsieur le Président a espéré votre venue au palais de justice, monsieur Werther. Et peut-être conviendrait-il que... Pardon, ma lettre d'introduction, n'est-ce pas? La grève s'épuise, infuse, éparpillé. Voici le conquérant pensif et solitaire, il attend le matin. C'est de vous? Oui, monsieur. Enfin, c'est pardon. C'est ici. Ah, merci. Vous monsieur le gérant Werther. Permettez, monsieur Werther, une question. Oui. Quand pensez-vous pouvoir prendre vos fonctions? Oh, mais tout de suite, naturellement. C'est le temps de... Le temps de m'habiller. Voilà. Voici prêt à vous accompagner. Et vous n'avez pas peur de vous enrhumer, hein? De m'enrhumer? En général, c'est par les pieds qu'on prend. Pardon. Pardon, je suis confus. Vous savez, hier soir, c'était une soirée d'adieu. On réunit quelques amis parce qu'on croit qu'on laisse... Puis on s'aperçoit qu'on ne dit adieu à rien ni à personne. Alors on boit peut-être un peu trop. Vous avez connu ça aussi, ça? Pas exactement, mais je comprends. Alors soignez-vous, je vous excuserai auprès du président. Merci. J'arrangerai quelque chose. Alors ayez la bonté, monsieur Werther, de vous présenter demain à mon bureau au palais de justice à 9h précise. Précis? Vous vous rappellerez mon nom. Assesseur Albert Hochstetten. Je vous présente M. Werther, notre nouveau référendaire. Enchanté. Je vous salue, monsieur. Oui, en prison. Bibliothèque, archives. Vous avez tout vu. Eh bien, tant mieux. Et combien durera votre absence? Je vous crois pas environ. En tout cas, je vous souhaite bien vivement de réussir à l'examen. Je vous remercie. Dites-moi, hier, pendant ma visite chez vous, mais vous vous souvenez, oui? Excusez-moi encore, j'étais bien distrait. J'ai vu que vous possédiez deux pistolets. Oui. Donc, les miens sont en réparation. Eh bien, voulez-vous que je vous prête les miens pour ce voyage? Si ça ne vous gêne pas, oui. Mais avec plaisir, je les enverrai chez vous. Je vous remercie. Dites-moi, C'est pas bien gai ici. Rien ne s'oppose à ce que j'apporte quelques fleurs. À vrai dire, je ne me suis encore jamais posé la question. Alexis, vous me l'avez défendu.
Alors je ne suis plus Henri la boutonnière. Il m'a fallu d'être déplacé. Pour une fleur ? Ah non, non, non. Je dois avouer que nous arrivions régulièrement en retard au bureau. Mais qui nous ? Eh bien, mais la fleur et moi. C'est drôle. Eh bien, avant mon départ, permettez-moi de vous donner un bon conseil. D'être exact, n'est-ce pas ? Soyez tranquille. Je tiens à vous remplacer dignement. Bravo, bravo. Seulement, avant tout, soyez prudent. Hein. Très prudent. Ce genre de littérature subversif est rigoureusement interdit sur le territoire du Grand Duché. Moi, je garde mes livres sous clé. Le même ? Oui. Écoutez, renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme, au droit de l'humanité, même à ses devoirs, comme c'est beau. Hein? Voyez le même passage, je l'avais souligné. Nous vivons à une époque dangereuse mais admirable, n'est-ce pas ? D'un seul pays, de quelques grands esprits, a jailli une pensée qui peut-être délivrera le monde entier de la tyrannie et de la servitude. Espérons-le. Oh, pardon. Vous faites donc de la musique ? Oui, oui, je suis violoniste. Pardon. Voilà. Pardon. Et vous ? Oh, moi, je... Sérieusement, vous jouez du violon ? Assez bien, dit-on, en tout cas avec passion. Mais alors, vous allez faire la conquête de notre président. Hein ? Et la mienne. Imaginez-vous, il nous manque un bon violon pour les concerts de musique de chambre que notre président organise chaque semaine. Alors à mon retour, hein ? Alors, j'espère que vous vous sentirez bien ici. Mais j'en suis sûr. Bon voyage et au revoir, monsieur Alfer. Voilà. Ah, très belle, vraiment, très belle. Vraiment, maman, te plaît, Albert. Il n'y en aura pas de plus belle à l'affaire, ni de plus chère. Tu seras de retour pour la kermesse ? Tu me le promets ? Je te le promets, Charlotte, je m'arrangerai. Et nous dansons ensemble pour la première fois ? Pour la deuxième fois. Pardon. À mon retour, nous prendrons un maître à danser. Charlotte ? Tu n'oublies pas ton petit bateau. Mon cher Albert, bonne nuit et bon voyage. Merci. Que rien de fâcheux ne vous arrive. Et revenez-nous bientôt. Comme je vais prier chaque soir, Albert, que tu réussisses et que tu reviennes aussi pour le jour de la fête. Pardon. Et pour voir ici, et pas dans le jardin comme l'autre soir, on peut vous voir. Les fiançailles ne sont pas encore officielles. Oui, père. Au revoir, Charlotte. Au revoir, Albert, et bon voyage. Merci. N'oublie pas d'éteindre les bougies. Oui, père. Dans la doublure. Ah, le pouce. Dans la bouche. On n'est pas du tout pour les enfants.
Faust. Et les oreilles? Il n'y a pas de savon dans la maison? Bonsoir, Marguerite. N'oubliez pas les poèmes, on dort, et plus d'un mot. Bonsoir, les enfants. Bonne nuit, Charlotte. Jamais vu. Ah non, je ne crois pas. Moi, j'en suis certain. Tout à l'heure, je vous regardais là-bas avec les enfants. Vous reconnaissez? Vous vous trompez. Mais voyez, vous passez à corps comme si nous avions toujours dansé ensemble. Oui. Et c'est entendu à quoi? Nous sommes un couple prédestiné. Je crois. Non, c'est impossible. Parce que? Parce que je ne le crois pas. Le bruit des baisers.
Quatre. Ah. C'est vraiment extraordinaire que ce soit justement vous qui... Oh non, non. Je tiens à vous dire, pour éviter tout malentendu, que la Providence ou le destin n'ont rien à voir avec tout cela. C'est moi qui me suis permis de combiner cette... C'est vous qui... Soit, vous avez gagné. Oui. Voilà. Il est trop tard. Même si on avait compté jusqu'à 20, je ne vous aurais pas embrassé. Pourquoi ? Parce qu'il est trop tôt. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mesdames. Monsieur Carter, si vous cherchez sur la petite table, prenez la qualité pour l'assise. C'est un livre en taille, on y voit. Vous vous rendez compte ? Bon, on va voir tout de suite. Monsieur, j'ai une silhouette pour vous. Mais pardon, c'est la silhouette d'une personne à laquelle monsieur semble s'intéresser beaucoup. Hein? Oui, pardon, je vous ai vu danser ensemble. Je suis artiste, donc psychologue. Tenez, voilà, à gauche, c'est mademoiselle Charlie-Belle. À droite, c'est Tata. Et combien? Moi, je pense que ce sera un thaler. Et puisque monsieur me l'a fait une surprise, ce sera deux thalers. Bon, voilà, trois, merci. Trois thalers, merci. L'oiseau chanteur. Je vole vers elle. Comment? Sous le feuillage déjà noir. Ça, c'est incroyable. Pas plus incroyable que de se reconnaître sans être jamais vu. Quand la rencontre est fatale, même les chapeaux s'en mêlent. Chapeau? Ah oui, le chapeau. Eh bien, vous voyez, je n'ai pas menti. Eh bien, votre visage et non pas un autre qui m'est apparu quand je rêvais. Et justement, il a fallu ce chapeau pour que je vous retrouve. Et que vous ayez mon poème. Quel beau parleur vous faites. Plus il y a de lune, plus il y a d'amoureux. Il y en a qui restent bien sagement assis dans la voiture, à murmurer. Il y en a d'autres qui préfèrent s'isoler un peu dans les bois. Ça dépend des âges. Vous saisissez ? Plus, plus. Oui. Vous pensez comment la vie ? Comme vous, mon poème, par l'effet de la Providence. Alors. Mais il n'y a qu'à moitié d'image. Va-t'en t'aider avec moi. Je réfléchis mon temps avec votre dent, aujourd'hui que vous me suis permis de vous séparer. Gardez seul. Vous donnez-moi la main. Oh, attention. Non, vous ne pouvez pas garder mon portrait. Rendez-le-moi. Non, je le garderai. Non, je vous assure que c'est impossible. Il dit que c'est possible puisque je le garde. Alors, promettez-moi de ne le montrer à personne. À personne, jamais. Je vous promets. Oh, non, c'est rien. Comme je parle. Alors, vous êtes vraiment un poète. Peut-être. En tout cas, je n'ai jamais réussi avec des lecteurs. Alors. J'imagine pas, en grande conviction, parce que vous savez, la justice est aussi difficile à atteindre que les éditeurs. Et vous? Oh, moi, je n'ai pas beaucoup de temps. Depuis la mort de maman, je dirige la maison. Une seconde. Et le peu qui me reste, je donne à la musique. Vous chantez, hein? Oui, je chante, vous l'avez deviné. Oh, je ne devine pas. J'écoute votre voix. Oh, je recueille, je transcris des airs populaires. Il y a chez nous des mélodies admirables. Écoutez, le carillon. C'est un air inventé chez nous par les soldats suédois pendant la guerre de 30 ans. J'ai appris cela à l'école. C'est une jolie mélodie. Mais si vous connaissiez celle de Bride... Bride, il a vécu ici à Valheim. Hein?
écoutez. J'aimerais tant vous voir. Le dimanche, vous êtes un peu plus libre. Non, c'est inutile. Je vous aurais attendu ici, sous cet arbre. Non, je vous assure, n'insistez pas. Pourquoi? Je ne veux pas. Je ne peux pas. Charlotte, où êtes-vous donc? Mais nous sommes là! Je ne vois pas. Moi, je vous attendrai. J'ai eu une frayeur! Venez, ma chère petite venue! Montez, venez, cher monsieur, venez, vous êtes dans l'inquiétude, folie ou raison. Bonsoir. Elle vous semble jolie, monsieur le référendaire. La mélodie, monsieur le président? Non, la jeune fille. Vraiment? Je ne me suis pas demandé. Dangereux, mon ami. Dangereux. Monsieur le président, vous connaissez l'origine de cette mélodie? Oh oui. Alors, je ne comprends pas que les habitants de Valheim aient choisi une mélodie étrangère pour leur carillon. Le compositeur Bredel est né ici. Bredel, ah oui. Mon âme et ma prison, cœur de mon cœur. Et idée de jeune homme, mais la musique est belle. C'est là-haut qu'il faudrait l'entendre, en la tour. Vous ne pensez pas ce que nous pourrions faire? Pétition et la présenter au grand-duc. Pas mauvaise votre idée, jeune homme. Pas mauvaise. Non, 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 ce n'est pas ça. La 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 la. Toi seul à ma ferveur, ou folie ou raison, ton âme est ma prison, cœur de mon cœur. Je ne puis t'oublier, je bénis mon sort dans la vie et la mort au tien lié. Au tien lié. Ah, c'est un peu passionné, moi, ces paroles. Test, personne ne les entendra. Ah, vous dites ça, vous? Mais il suffira d'entendre la musique pour qu'on se souvienne des paroles. Dis donc, qu'est-ce qui a eu l'idée de cette édition? Altesse, par la voie hiérarchique, le référendaire Werther. Elle circule depuis 4 semaines et elle est signée par toutes les notabilités de la ville. Ah, parbleu. Leur signature ne les engage pas à payer. Mais qui fera les frais de la nouvelle mécanique? Avant de sonner le carillon, hein? C'est ma cassette personnelle qui sonnera. Non, Altesse, c'est la commune qui se charge. Oui. Alors, dans ces conditions, folie ou raison, accordez. Je vous félicite, monsieur Dieu. Votre succès nous a rendus bien heureux. Charlotte,
venez à la messe? Oui, avec plaisir. Charlotte! Charlotte! Madame Charlotte est sortie. Elle a dit que retrouverait monsieur le bailli dans l'église. Charlotte. La dernière fois que nous nous cachons. Donnez-moi la main. Charlotte, je veux vous parler. Et à chaque fois que je dirai, vous me répondrez oui. Voulez-vous? Oui. Voilà. Nous allons rentrer ensemble, à pied. Oui. Et à la tour de la vieille horloge, vous entendrez pour la première fois la mélodie que... Ça, je ne dis rien, c'est une surprise. Et puis nous traversons toute la ville, la main dans la main, jusqu'à la maison de votre père. J'entre. Monsieur le bailli, je me nomme Werther, référendaire au palais de justice. J'y gagne à peine de quoi vivre et je n'ai pour toute fortune qu'un pupitre à musique, un vieil ami, mon cheval et une silhouette de mademoiselle votre fille. Et cependant, monsieur le bailli, je vous avoue à ma honte. Que mademoiselle votre fille et moi nous nous rencontrons chaque dimanche sous un grand arbre. Bref, je vous dois une explication. Monsieur Bailly, j'aime votre fille comme je n'ai jamais aimé personne en ce monde. Et aussi vrai que Dieu m'entend, je n'en aimerai jamais une autre. Et je vous prie de m'accorder la main de ma... Charlotte. Charlotte. Werther. Cher Werther, oui, c'est la dernière fois que nous nous rencontrons ici. Comment? Je sais. J'aurais dû vous parler, mais j'ai voulu chaque dimanche. Je ne sais, je n'osais pas. Je vous écoutais. J'oubliais. Cher Werther. Je ne suis plus libre. Je suis promise à un autre. Et vous le connaissez, Albert. Albert. Albert Rochet. Oui. Il doit venir ce matin. Pardonnez-moi. Et promettez-moi que ce n'est pas comme vous l'avez dit. C'est vrai que Dieu m'entend, je n'en aimerai jamais une autre qu'elle. Oh. Comme vous avez retenu cette phrase. Adieu, Werther. Je vous dirai bien tout à l'heure. Thank you.
est arrivé quelque chose à mademoiselle Charlotte. Ouh. Emma, rentre les enfants, veux-tu? Oui, c'est par ici. Rentre. Mon Dieu, qu'y a-t-il? Nous avons retrouvé la jeune fille près de chez nous. Certainement, elle a dû avoir un malaise. Est-ce que c'est grave? Charlotte. Tu es revenu. Tu es là. J'ai porté la connaissance du public. Il y a promesse de mariage entre monsieur le juge Albert Forstetton et mademoiselle Charles. Oh, mais dis donc, c'est écrit en toutes lettres. Tu aurais jamais pensé ça? Oh, quand même, ce mari, on peut penser ça, mais bien naturellement du monde. Oui, mais monsieur le juge. Ce qui prouve qu'un juge aussi peut manquer de jugement. N'empêche qu'il convient d'aller présenter nos félicitations. Oh, oui. Mais certainement, mais si nous sommes tous tenus aux félicitations. Mais, pas de félicitations, s'il vous plaît. Ah, oui, allez, on se vit dans un bon bouquet de l'Italère. Alors, oui, un peu de courage, ça n'engage pas l'avenir. Deux talers, pour personne. Voilà, deux talers. Merci à toi, Émile, Merci beaucoup. Le pompier, monsieur. Par la monsieur. Oui, les instructions à tous les postes de gendarmerie. Entrez. De plus, je vous prie d'être organisé des patrouilles dans toute la région de Marguerite. À vos ordres, monsieur. Berthet. À l'occasion de vos fiançailles, je viens, monsieur le juge, vous présenter mes meilleurs vœux de bonheur. Quelle solennité! Du monsieur le juge tout le long du bras. Eh bien, moi, je vous remercie, mon cher Werther. Et mon cher Werther, tout court. Oui, je serai très heureux, j'en suis sûr. J'en suis sûr aussi, monsieur le juge. Mademoiselle Charlotte est une jeune fille droite et simple, que j'ai déjà eu l'honneur de rencontrer. Oui, je sais, Charlotte, ma amie. Elle vous a dit que vous aviez lancé avec elle à la fête, oui. Vous croyez bien que si j'avais su. Mais non, mais mon cher ami, c'est trop naturel. Personne ne savait. Mais enfin, ce que je sais, moi, c'est que, pendant mon absence, vous avez fait l'admiration de tous nos collègues. Et je tiens à vous en féliciter. Mais je vous l'avais promis, monsieur. Dites-moi, le président a décidé qu'après mon mariage, on organiserait une séance de musique par semaine chez moi. Alors vous en serez, naturellement. Je vous remercie, monsieur. Appelez-moi Albert. Entrez. Je suis tout mauvais bonheur. Dis Albert, crois-tu que c'est bien fini? Ils sont gays, ils m'ont un peu vu, oui. Mais nous aussi, un peu de flamme, en fait. Moi? Charlotte. En ce jour, qui n'est pas banal, ce sont les vœux du tribunal. Tu avoues, là, vraiment. Eh bien, oui. Je suis un tout petit peu étourdi. Et la jolie madame Bourgstetten n'est pas un peu honteuse de commencer ta vie de femme sérieuse par un mensonge? Quoi? Un petit peu mensonge. Charles, le premier est là. Nous dirons toujours la vérité. Oui, à nous n'aurons pas de secret l'un pour l'autre. Jamais. Jamais. Pas moi, le secret. Donc tu rentres. Ah non, ouais. Qui c'est la sortie du petit secret? C'est une petite madame? Ah non, rien à faire alors. Voir pour le taler, emporter pour cinq. Ah non, merci. Ouvre et ferme. Ouvre et ferme. Ça va. Et compris.
Lui-même. Lui-même, je vous demande. Je ne sais pas, il m'appelle de peine, je n'ai pas vu. Mais regardez-le, vous avez vu sa gueule de mort? Vous n'agissez pas ainsi sans raison, ni par nature. Dites un mot. Moi, je suis votre ami, répondez-moi. Écoutez-moi ce rapport, c'est grotesque, c'est odieux. On trouve votre manteau sur un rocher inaccessible, un vrai casque. Vous vous rendez régulièrement dans des cabarets dont la dignité de notre profession devrait nous interdire la fréquentation. Disons la dignité de tout. On vous a vu délirant devant l'église, frappant le portail des coins, menaçant Dieu. Et est-ce tout, on pourrait le croire après ça? Mais alors, il y en a encore 10 pas. Encore une fois, je vous demande de me donner une explication à moi. Audience va commencer. L'affaire suivra son cours puisque vous ne voulez pas m'aider. Elle ira jusque chez le président. Je refuse de me décourager. Écoutez, Werther, puisque le rapport ne peut pas être retenu, au moins, ne mécontentez pas davantage le président. Vous connaissez, c'est vous, en exactitude. Depuis deux semaines, vous négligez nos conseils. Alors, ne manquez pas de venir ce soir à la maison, n'est-ce pas? Il vous sera peut-être plus facile de parler ailleurs. Dans une atmosphère d'addiction. Car bien entendu, tout ceci n'a rien à voir avec une relation personnelle. Je voudrais dire quelque chose. Vous êtes de moi? Attendez.
dans la cuisine. Oh, alors, c'est un secret. Attendez, les enfants. Et soyez sages, ne demandez pas la confiture, il faut la garder pour cet hiver. Je voulais que tu me dises. Quoi? Pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce qui te fait croire? Je ne pleure pas, regarde-moi. Pas maintenant. Mais tout à l'heure, tu pleurais. Mais non, je... Si, tu pleurais toute seule. Mais non, je t'assure. Pourquoi dire non? Je t'ai vu par la fenêtre. Tu pleurais toute seule? Et je le dirai à papa. Non, mais ça, tu ne le diras pas. Parce que je te le demande et que tu trompes. Si! Si, tu pleurais, je le dirai à papa. Qu'est-ce que ça? Oui, je pleurais. Qu'est-ce que ça? Écoute, si tu viens, papa me grondera, alors oui, je pleure. Écoute-moi bien, mon chéri. Quand on est petit, on pleure parce qu'on a du chagrin. Et quand on est grand, on pleure surtout parce qu'on est heureux. Alors, tu ne le diras pas, papa. Ni à ton démarre, à personne. Ça ne leur fait pas plaisir. Maintenant, je suis loin de savoir que je suis si contente. Ah bon, n'en parlons plus. Hein. C'est fini. Tu ne diras rien à personne. Je dis, bien, mais c'est le privilège de la jeunesse de s'exalter ainsi. Vous ne le croyez peut-être pas, mais j'étais jeune aussi. c'est à ce moment-là qu'il fallait m'entendre. Je donnais Luc de poitrine, et après vos calices, et sans prendre de respiration. Mon cher, les femmes à l'oreille. Ah, oui, on parle du passé, on rêve, et tout de suite la réalité vous rappelle. Venez, nous avons à parler. Vous voulez que vous fassiez un monsieur? Excusez-nous une seconde. Albert! Je ne peux rien vous offrir. Non, merci, madame. Faut pas pleurer, Charlotte. Je vous remercie, bien, monsieur le président. Oui. Laissez-moi vous prévenir si la semaine prochaine l'affaire n'est pas réglée. J'envoie le dossier de Béatrice pour grand conseil. Béatrice, est-ce pas splendide beau que vous buvez chaque nuit tellement? Il ne faut pas. Je vous demande. C'est tellement difficile d'oublier ce qui est, ce qui sera toujours. Ce qui sera toujours. Oui. Est-ce qu'il pourtant tout le monde s'est fait peur? Je sais, je ne peux pas te revenir.
pardonnez-moi, mais je n'ai pas pu faire autrement. J'y étais contre. Mais trop vite, je ne reviendrai plus. Non, si, non, ne croyez pas cela. Ça ne nous regarde pas, cette affaire, à ces messieurs de la police. Voulez-vous me permettre de retirer? Comment, vous voulez déjà partir, Oui. Le livre que j'avais promis à M. Werther. Je l'ai déjà descendu. Bonsoir, M. le Président. Je comprends que M. Werther désire se coucher de bonne heure. Une fois n'est pas coutume. Merci, M. le Président. Bonsoir, Ray.
Tu as entendu notre conversation? Si tu ne te sens pas bien, elle est dans ta main. Non, je voudrais arranger cela encore. Werther va être forcé de demander son changement d'incident. Si je lui parlais. Quoi? Pourquoi toi? Oui. Peut-être pourrais-je le secourir? Trouver les mots? Non. Je dis non. Tu dis? Non. Soit. Savez-vous, mesdames,
Monsieur. Depuis quand? Depuis une demi-heure environ. Elle t'a dit quelque chose avant de sortir? Anna, madame a dit quelque chose avant de sortir? Nous l'a apporté le message et madame est sortie presque aussitôt. Qui lui a apporté ce message? C'est madame, monsieur le frère. Lequel de ces deux hommes est le plus important? Oui, tu m'en as pris, il n'a pas aussi été son grand bonheur, toujours.
Et ne croyez-vous pas qu'il ne savait rien de commettre son crime? Pas méditation. Admettons, évidemment, toutes les conséquences de son acte. Enfin, lui monde aurait dû l'arrêter. Cependant, il a agi, il n'a plus son effet d'agir. Je veux dire, voilà qu'il y a des limites à la passion. C'est le juge qui les définit. Il y a des principes qui assurent contre les excès d'existence de la famille et de la société. Quelle société? Oui, oh, je sais. Vous n'êtes pas la connaissance d'un grand mouvement qui se prépare. Mais je vous dis, voilà, qu'une société ne peut s'établir que sur les bases de la tradition morale. Loin de moi, la pensée vous offensez. Mais j'ignore si vous n'avez jamais souffert, vous ne vous souhaite pas, que je ne souhaite à personne. Mais si vous avez connu l'amertume de la solitude, de la déception... Si derrière lequel soit, cette amertume justifie-t-elle le crime? Répondez, la carrière justifie-t-elle? Si vous m'avez fait deux parts de ma vie, c'est-à-dire me dépouiller chaque matin de mes sentiments, comme d'une défroque qu'on laisse chez soi, avant d'aller au tribunal me couvrir d'une robe de juge. Eh bien, j'aimerais m'en aller. Je crois en effet que vous n'êtes pas un juge. Et je pense encore que vous n'attendrez pas votre décision pour que vous priez de démissionner. Un dernier mot, monsieur Berthier. Vos opinions, votre morale à ma compteur, je les redoute pour moi. Il est bien. Ne craignez rien. Je quitterai peut-être Valheim aujourd'hui. Je voudrais vous déconseiller. Après mon retrait, il y aura perdu un ami. Vitié ! Attendez dans la voiture ? Avez-vous fait aller ? Prince, tu n'as pas quitté la maison depuis mon départ ? Non. Je voudrais savoir absolument si tu as quitté la maison en quelques minutes. C'est son droit. Mais dis-moi. Non, monsieur, à aucun moment. Je vous jure. Je trouve ici un portrait, monsieur. Monsieur. Ce portrait. Alors vraiment, monsieur, vous voulez partir par temps là? Est-ce que je vous envoie quelque chose, tes gars? Un demi-mois, monsieur. Ça fait combien? Deux valets, un demi. Et puis il y a le cordonnier aussi. 20 valets, ça fait 2,70. Eh bien, avant de partir, je te paierai un petit mois que je vois, et deux mois d'avance. Mais monsieur, c'est possible, ne voyez pas avant d'arriver pour là. Bon. Merci, monsieur. Et là, c'est tout. Thank you.
Bonsoir, Charlotte. Bonsoir. Il y en a de nouveau ? Tu rentres bien tard. Comme tu m'as sans froid. Oui, moi, un peu de fatigue, simplement. On a arrêté de me prier dans les numéros. Alors, je suis allé là-bas pour l'inspection. Ah oui ? Il y a des courriers. La gazette de la semaine et les articles sur les dossiers. Tu as rien à faire? J'ai eu une discussion sérieuse avec Carter. Pour une discussion professionnelle à propos de ce meurtre. Il faudrait que je t'explique longuement. Seulement ce soir. Non, Albert. Je t'ai cherché partout cet après-midi, mais t'es sorti. J'étais à l'église. Et j'ai reçu aussi une lettre de Carter. Je vais la lire. Monsieur Mercier! Qu'est-ce que c'est? J'ai un temps épouvantable! Vous ne pouvez pas partir! Eh ben, voilà ce que je t'ai dit! Bonsoir, monsieur. Monsieur Werther part ce soir pour un long voyage. Il vous présente ses compliments et se permet de réclamer des pistolets qu'il aura confiés à Monsieur le juge. Comment ? Bon. Attendez. No!
Bernard. Un bon voyage à ton maître. Merci, monsieur. Bonsoir. Come on.